c'est une soirée caritative qu'on fait tous les ans. Donc ça va être la 13e édition aux Gorges de Pénafort. C'est une soirée qui a été créée il y a 17 ans, qui a pour but de faire cuisiner des sportifs, de les faire servir en salle, tout ça au profit d'une association qui change tous les ans. Et cette année, ça sera pour Make and Wish, qui est parrainé par Marion Joëlès Grosjean, qui sera là avec son mari Romain Grosjean, le pilote de Formule 1. On n'avait pas une Red Bull, c'est sûr, mais après on avait la deuxième voiture la plus rapide. Non, c'est sûr qu'on a bien travaillé, qu'on a bien progressé. Vous allez faire ça, faire la cuisine? Ouais, j'adore ça. À la maison, je passe beaucoup de temps là-dessus. C'est ma façon de me relaxer. Il fait tout merveilleusement bien. Il fait absolument tout merveilleusement bien. Le tartare de bœuf spécial Romain Grosjean. Il fait des burgers revisités, des burgers au riz de veau par exemple, qui sont exceptionnels. Il fait aussi les plats traditionnels, la blancpain de veau à l'ancienne, le bœuf bourguignon, ce genre de choses. Mais même quand il fait un plat de pâtes tout simple, il arrive à mettre sa pâte. Allez, vas-y. C'est des... Je vais commencer l'un de l'autre. Tu vois, j'aurais dû passer mon bac avec une mention. Voilà. Tu peux attaquer celui-là, il part là. Ah d'accord, oui, donc là c'est les rues. Ça fait longtemps que j'ai un ami à Paris qui... Le père Claude, pour ne pas le citer, il a un plat au rognon riz de veau que j'adorais. Et son fils a lancé un restaurant de burgers. Et ça m'a donné l'idée, je lui ai dit, je vais essayer de faire un truc de deux, un burger de riz de veau avec une sauce comme champignon de Paris, truffe. C'est pas mal. C'est un grand champion, mais il a un grand cœur également. Et ça, ça mérite. C'est lui qui vous a proposé cette association? Oui, l'année passée, il est venu très gentiment et en discutant, d'une certaine manière, on l'a conclu à deux. Okay. Qu'est-ce que vous allez leur faire ce soir? Ce soir, il y a un damier de foie gras et céleri, avec deux truffes fraîches, parce que c'est la saison. Ensuite, on va faire un ravioli. Il y aura un bar avec des truffes et du potiron, avec une sauce avec base d'ananas, c'est une feuille d'une plante, c'est ananas sauge, qui a beaucoup de goût. Et ensuite, on fera également une volaille qui est farcie avec des truffes, avec un petit jus tout simplement. C'est un bon élève? C'est un très bon élève parce qu'il est très technique et comprend très vite, on l'a vu dans le damier, donc il a su de suite aussi les mettre dans le morceau parce que c'est pas évident au départ. Et on le voit que c'est un grand champion là-dessus parce que c'est quelqu'un qui est minutieux. Et en cuisine, il faut être minutieux. Et il est. Merci. Il a un grand avenir en cuisine. Hein. C'est un produit qui est magique parce qu'on fait plein de choses avec. C'est de la technique, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop chaud la truffe non plus, parce que sinon elle n'a plus beaucoup de saveur. Ça peut être cuit dans des œufs brûlés, et ça peut être en salade à peine tiède. C'est des petites poils comme ça qu'il faut pour ça change. Ah ça j'adore, ça c'est pas vrai d'oublier. Comment se retrouver? Tu vois, c'est très égoïste de venir ici. Vous pouvez nous parler un peu de la récolte cette année? Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Maintenant, il y en a beaucoup, mais on n'est pas à l'abri. Une semaine qui était moins 10, moins 12, et là, on est reparti dans l'enfer, parce qu'après, ça gèle toutes les surfaces. Les autres, avant qu'elles montent, il y en a pour un moment. Mais ça, il y en a beaucoup. Ce sera une bonne année. Qui fait un coup de mauvais temps, là, ce matin, ça tourne aux alentours de moins 3. Ça va. Au contraire, c'est les mûris, parce que les mûris, c'est que le froid. Donc, si on passe le mois de décembre, sans qu'il fasse des grosses températures, en plus, il y en a partout. On les voit beaucoup aux truffes fleurs, les premières. C'est eux qui marquent beaucoup. Quand il y a beaucoup de celles-là, il y a beaucoup des autres qui suivent. Vous avez vu comment on est organisé, hein? Ça se passe bien. Ouais, c'est le bonheur, tout va bien. Ils sont studieux. Ah, ils sont vraiment très pointus. Ouais.
Grosjean est extraordinaire, et les footballeurs, les rugbyman, ils sont à la hauteur. Hein. C'est bon. Comment vous l'avez toqué? Ah, je l'ai toqué avec une toque. Bien sûr. Non, mais c'est sympa. Il joue le jeu. Voilà. Là, vous avez un vrai rugbyman, en plus un vrai varois. Attention, attention, attention. Attention. Les chefs inspirés et pas toujours installés. Nous avons retenu une quinzaine d'adresses dans la capitale et en région, et nous avons délibéré de fort bon appétit au Prince de Galles. Avec nos partenaires, les Champagne d'Aix et les Caviar Caviari, nous allons donc remettre dans quelques instants le Zelter 2013. Au terme d'un scrutin serré, c'est donc Julien Rocheteau, 32 ans, chef de l'hôtel Lancaster à Paris, qu'il a emporté devant des cuisiniers tout aussi talentueux, comme Adeline Grattard, Yann Chat également à Paris, Sylvain Joffre en pleine nature, près de Toulouse, et Joachim Salio, le jardin des Bulles à Giverny, ainsi que 4 ou 5 autres jeunes chefs français de province et d'État. La visite de Michel Poivreau, de 3 étoiles de Roanne, Julien nous a convaincus par sa créativité, sa sensibilité, son chemin d'épices et de condiments clairement tracé. Une gastronomie comptée pour l'instant, une étoile au Michelin. Le nouveau prix créé par Madame Zelter est donc lancé. Et avant de s'ouvrir à d'autres pays l'an prochain, il est en toute logique à Nice, qui est aujourd'hui la ville de la Côte d'Azur la plus intéressante en termes de table de qualité et de créativité culinaire. Là, c'est vraiment une surprise, puisque vous ne savez pas du tout que vous participez à un concours comme ça, que derrière c'est quand même un gros groupe au niveau de l'art culinaire, au niveau de la vaisselle, au niveau de l'art de la table, du matériel et tout ça. International, ça vaut ce que ça veut dire aussi. Et pour moi, c'est une grande fierté et ça remercie aussi tous les efforts que l'on a fait pendant la carrière et puis au quotidien, tous les jours, parce que c'est une récompense. Qu'on met tous les jours dans les plats de ce qu'on fait tous les jours au restaurant. Et surtout aussi avec l'équipe, une brigade qui est derrière, parce que moi je suis le chef, mais derrière il y a une brigade, aussi bien en salle qu'en cuisine. Avec ces 40 gars, on essaye de prôner le beau, quoi. Ce concours il a commencé il y a à peine 3 semaines. J'ai reçu un coup de téléphone en cuisine.
qui me disait que voilà, qui me présentait le concours Zepter International et qui me disait que j'avais réussi et quoi, j'avais gagné le concours suite au vote du jury qui était composé de 8 journalistes gastronomiques et puis voilà, qui avait noté voté pour moi par rapport à tous les chefs français de moins de 35 ans voilà, en jeune talent. Alors j'ai fait mon apprentissage d'un classique en alternance, j'ai fait la présidence du Sénat entouré de plusieurs mofs. Derrière je suis allé au Georges V pour son ouverture avec Philippe Legendre qui est mof aussi. Là j'ai beaucoup évolué et j'ai fait l'ouverture de l'hôtel Lancaster à Paris avec Michel Troisgros. Ensuite je suis parti pour Jean Chauvel, un restaurant Emmanuel Liop et Haussmann, toujours étoilé, que des restaurants étoilés. Et après, là dernièrement, je suis revenu en 2008 sous le biais de Troisgros, c'est lui qui m'a rappelé, pour venir remplacer le chef de l'ouverture et prendre les cuisines du Lancaster en main avec la table du Lancaster. Et il y a un an et demi, le chef Troisgros est parti du Lancaster et m'a cédé sa place de chef numéro 1 là-haut pour prendre en compte la table, le restaurant étoilé et garder l'étoile. Alors à l'heure d'aujourd'hui, mon style, c'est une cuisine classique dans le sens où la technicité de base des produits, c'est beaucoup de respect des produits. On met en avant avant tout la qualité du produit dans l'assiette et après on essaie de l'apporter avec des assaisonnements et des goûts différents en ayant un dressage jeune, dynamique où on essaye d'avoir plein de petites choses dans l'assiette avec une trilogie de saveurs. Il n'y a toujours que trois saveurs qui dominent dans l'assiette. Le produit, la sauce et un petit condiment ou une épice qui permet de faire la différence. Nous on a les idées. On fait les essais, on a les idées, on met les choses en place, on maintient la qualité sur ça, on est avec eux, on goûte, on les forme, mais derrière, c'est eux qui le font au quotidien. Nous, on est là pour les orchestrer, on est là pour les gérer, on est là pour leur apporter des nouvelles recettes. Et du moment qu'ils prennent plaisir dans l'assiette, à faire les assiettes, automatiquement, les clients ils prendront plaisir de venir à la table.